m'installer après tout. Hein. Oui, ça va être dedans, donc je pourrai. C'est une patiente donc, qui est en phase donc, terminale donc, d'une maladie donc, incurable. Elle nous a été adressée donc, avec une espérance donc, de vie de 2 à 3 semaines. Elle s'est sentie, donc, quand elle est donc, arrivée ici, trahie par l'équipe qu'elle a envoyée parce qu'on lui a toujours promis donc, de l'aider. On lui a toujours promis donc, que le moment venu, on l'aide à mourir. Et quand elle a été adressée ici, donc, elle pensait qu'on l'envoyait, ici pour l'aider à mourir. On s'est occupé d'elle sans tenir compte de l'état présent. Et au bout de 24 heures, donc, sa demande a été complètement basculée. J'avais pas le moral parce que je souffrais d'abord, et puis que j'en avais marre de souffrir, que c'était plus possible, et que même j'avais demandé qu'on m'aide à mourir. Et j'avoue que ben ça m'a passé. On a arrêté votre douleur. Ou le fait qu'on vous soyez écouté, qu'on s'occupe de vous, c'est tout ensemble. Alors c'est tout. C'est qu'on ait arrêté la douleur. C'est qu'en plus je suis écoutée. C'est qu'en plus je n'ai pas l'impression d'être enfermée dans un hôpital avec des soins à tout prix. Quand ici je peux dire, écoutez, oh bah, peut-être que je vais pas mal, j'arrête ça. On arrête, mettons, une piqûre, bon, qui me dérange ou une chose comme ça. On me dit oui si vous voulez, mais vous allez avoir peut-être ça, ça et ça qui va arriver. Je veux dire qu'ici, franchement, je trouve qu'on a de la chance au niveau de la douleur parce qu'elle est. En 99% des cas, elle est très bien soulagée, la douleur physique. Il reste la douleur morale qui, elle, est beaucoup plus difficile à soulager. Il y a des choses qui ne sont pas réglées dans leur vie, il y a des problèmes qui sont souvent là en suspens, hein, et tout cela joue sur leur douleur physique, bien sûr. Donc il faut s'occuper de toute cette constellation de souffrances pour pouvoir être plus efficace au niveau de la douleur physique.